Que contient l'eau que nous buvons au quotidien? C'est la question que s'est posée Cyril Ledru en concevant l'ISO, une application pour smartphone qui compile des données sanitaires sur l'eau de la France entière et qui les rend accessibles en quelques clics. On va pouvoir suivre le calcaire, savoir si notre eau est dure ou pas, si on a besoin ou pas d'un adoucisseur d'eau, concrètement. On va pouvoir suivre aussi le taux de nitrate, parce que voilà, ça fait partie des polluants. Et donc, on va pouvoir voir l'évolution du taux de nitrate sur l'application. Ce que j'ai mis en place aussi c'est tout simplement de voir si dans l'eau qu'on consomme, est-ce qu'on recherche des pesticides. Et donc, si on recherche, on trouve. Donc, voilà, il y a un petit indicateur qui dit, on a recherché, par exemple, il y a quelques semaines, des pesticides dans l'eau que je consomme tous les jours. Les informations récoltées, parfois techniques, sont vulgarisées par l'ISO afin de les rendre compréhensibles de tous, notamment grâce à un moteur de recherche par commune et un code couleur. Donc là, je vais avoir l'ensemble des analyses de l'eau pour Le Mans, donc avec le code de couleur vert ou orange. Donc en vert, l'eau est tout à fait conforme. Orange, il peut y avoir des non-conformités. Rouge, il y a des restrictions de consommation pour les personnes sensibles, les femmes enceintes, les nourrissons. Et noir, l'eau n'est pas consommable, elle n'est pas potable. Disponible sur Android et Apple, l'application a déjà conquis plus d'un millier d'utilisateurs. Elle devrait encore évoluer dans les prochains mois. L'ingénieur sartois pense par exemple à intégrer un lexique des termes scientifiques.